Wow, bonsoir à tous et à toutes. Le son est un peu fort, je pense. Voilà. Je le réduis un peu. Alors, un peu fort. On m'entend pas bien du coup ou Parce que ça dépend de la musique. Hein. Ici, j'essaie de la réduire. Encore fort. Ok. On va tenter de réduire. Voilà, et comme ça. Est-ce que ceci est mieux? Oh, chère modératrice. Voilà, la musique revient. Encore un peu. Ok. On va essayer. Voilà. Est-ce que comme ça c'est mieux? Compliqué, hein? Parce que de... Que ce soit sur un jeu ou que ce soit là, ça devrait aller maintenant. Ok. Ça va. Je te crois, hein. Attention. Voilà. Alors, ce soir... Bah, on va changer un petit peu les choses, je me suis dit, on va peut-être pas faire de séance challenge 3D, donc on va pas sélectionner une idée. Attendez, parce que j'aimerais bien avoir mon retour, moi. Ouais, voilà. Donc on va pas sélectionner une idée. On va continuer un projet que j'avais fait, que j'avais entamé il y a des mois de ça, avec ma pote. Qui d'ailleurs s'inspire aussi de cette personne-là pour ces projets 3D. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est terminer ce projet, c'est-à-dire une aubergine, voilà, de cette créatrice, donc Lydia Makov. Donc Lydia Makov qui a créé ce concept d'une maman aubergine. Je trouvais vraiment sympa. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est terminer, essayer d'avancer un maximum. Terminer, c'est peut-être un peu trop s'avancer. Mais au moins avancer un maximum sur le projet que j'avais entamé. Donc Lydia Makov, merci à toi, bien entendu. Le jour où j'aurai terminé ça, bah, voilà, je le publierai comme à mon habitude sur ArtStation en mettant le lien vers l'artiste initial. Voilà. Donc ça, c'est pour Lydia. Voilà. Et ma pote, elle avait choisi un autre personnage de cette fameuse Lydia, en fait. Et... J'attends aussi avec impatience de voir à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est bah, là où j'en suis. Donc j'ai posé les bases en fait de la modée. Donc on a la partie aubergine là, les deux petites papates à l'arrière et la couche. Enfin, c'est pas vraiment une couche hein, en soi, parce que c'est une maman aubergine. Donc... Non, c'est pas une couche, on va appeler ça une culotte. Voilà, une petite culotte. Une culotte de mamie. Hein. Donc voilà, pas de pression ce soir. J'ai vraiment envie de me détendre et de continuer le projet. On reprendra les séances. De sélection d'idées une prochaine fois. Voilà, c'est pas pour une fois, hein. c'est pas un souci. Donc voilà, où j'en étais. Voilà, c'est pas 100% non plus exact. Le but, c'est de se rapprocher suffisamment. Ok, donc la main, attendez, ça fait longtemps aussi, il faut que je me souvienne de là où j'en étais. Il me semble que oui, j'avais juste fait un moignon. Il n'y a pas encore les doigts. Là non plus, en fait. Ça va être amusant. J'ai juste un pouce là, un semblant de pouce. Ok, bon, on va aller voir. Je ne l'ai pas ouvert depuis très longtemps. Ok. Bon, c'est un gros bloc, hein. C'est très, très bloqueux. Ah, attendez, non, je vais quand même éteindre la batterie. Je reviens. Et me revoilà. Désolé, manque de préparation. Hein. Et oui, j'ai oublié d'allumer, mais non. Tout bêtement.
Attendez. Bon alors. Ça va pas être facile par contre de faire les. De faire les doigts. Donc 1, 2, 3, 4. Oui. C'est une main 5 doigts en plus. Donc super. Comment est-ce que je vais entamer ça? C'est en plein écran. Hein. Puis y voir. Un peu mieux. Voilà. Ouf. Allez. Un pec. Donc pour faire 4 doigts, là on a déjà 2, il faudrait multiplier. Faudrait juste diviser par 2, pardon. Ces segments, trop mimi. Oui, hein. Franchement j'aime bien ce concept était assez fun, donc je me souviens plus de comment je l'avais interprété à l'époque. J'avais l'idée de le poster après sur Sketchfab, mais bon, c'est le genre de projet que j'ai entamé et que j'ai jamais terminé, donc je profite de Twitch pour enfin essayer de terminer ces projets. Donc voilà, pour faire les 4 doigts, on va commencer simplement. Hein. Yes. Je crois que là on est pas mal, ouais. On va commencer de là. La découpe. Voilà. On va les rejoindre. Ça ne descend pas, pourquoi? Corrigerai après, hein. Déjà avoir les. Différentes parties. C'est un peu relevé. Déjà à ma main, je vois qu'on est trop loin. Quoi, je me demande si ça va pas carrément le dégager. Voilà. Voilà, si on part de là. Voilà. On va faire les doigts. Et on se calme là. Alors, les doigts. On va dire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ça me paraît pas mal, moi, perso. Que je mette un bandeau pour vous afficher la musique parce que c'est dommage, il n'est affiché que ici. Ouais, je me demande si je vais pas vous le mettre quand même. Bon, après, ouais, non, il faudra que je trouve. Oh, il y a tellement de trucs qu'il faut que je corrige en fait, les gars. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pas bien préparé, pas bien préparé mon coup, j'ai l'impression ici. Ah, c'est déjà mieux. Mais ouais, faudrait que je regarde ça pour la prochaine fois. C'est dommage. Quand vous, ça vous intéresse et que vous voulez écouter la musique. Sinon, ce sont des tout simplement les musiques de stream. Comment ça s'appelle? De Stream Beats sur Spotify. Voilà, vous pouvez aller voir. Musique libre de droit pour Twitch. Voilà, mais je trouve un moyen d'afficher ça ici. Ça manque d'informations. Donc, attendez. C'est comme ça. Si je sub, on perd évidemment tout. Il faut rajouter des phalanges. S'ils sont pas forcément hyper marqués. Ah,
Et bien sûr, je le rappelle, mais ouf, évidemment, je bouge le truc, mais je vois même pas ce que je fais. On s'inspire grandement, bien sûr, de cette référence. Bien sûr, le but, c'est de se calquer le plus possible la référence, mais on l'interprète, donc on n'est pas à 100% au niveau des éléments, quoi. C'est trop petit, par contre, il faut les rendre plus boudinés. Si je regarde comme ça. Ah oui, mais je l'avais bougé par rapport à la caméra. Ah oui, pardon. Donc en fait, tout était déjà aligné en quelque sorte. Voilà, par rapport à la caméra. Ouf. Je ne me souvenais plus, moi. Je ne sais plus ce que j'avais derrière la tête à ce moment-là. Non, c'est pas trop mal alors. On est dans la bonne position. 45 un petit peu plus boudiné, un petit peu plus boudiné, ça devrait aller déjà. Corriger un peu. Ah, ça fait un peu Patrick les doigts de mer, ouais, on est d'accord. Ici. Ah ouais, par contre là c'est dans un creux, ça risque d'être dégueulasse. Non, ça va. Ah, évidemment. Délicieux filet de poulet belge bien tendre à l'intérieur. Désolé, hein, j'ai pas encore mis un bloqueur de pub, donc je suis assez embêté avec ça. Avant, j'avais pas de pub avant. J'avais pas de pub, mais bon. C'était peut-être mon essai, en fait, que j'avais avant. Oups, j'ai peut-être trop coupé le truc. Un instant, s'il vous plaît. Ah là là. Voilà, pardon, hein, je suis désolé pour tous ces petits imprévus ici. Je lui dis, on s'embête pas aujourd'hui, on est chill. Voilà. Ah, je suis vraiment embêté, il faut que je trouve quelque chose. On va m'abonner ou autre, on va voir. On grossit ici. J'essaie déjà de prévoir la transformation. Ouais, c'est pas mal, ça va. Ok, on va dire pour l'instant, c'est pas mal. Un peu griffe quand même, j'ai. De faire quelque chose là. Le but c'est de rendre ça boudiné et pas effrayant. Ce qui contribue un peu à cet effet effrayant, c'est que là c'est pointu. Ça ne devrait pas être pointu. Ok, impec. Alors là, elle fait le petit symbole comme ça là pour tenir ses petits bébés là. On va faire pareil. Alors comment est construit la main? Donc là, pareil, il va falloir mettre. Une série de deux doigts. Voilà. Et le pouce. Le pouce devrait être un peu plus haut, donc là. On va déjà mettre là.
pas mal hein, déjà comme ça. Voilà. Voilà un petit doigt boudiné. C'est pas encore tout à fait ça. Globalement, la main doit être un peu plus haute. Oui, beaucoup plus haute. Ça va, ça fera l'affaire. Ok, c'est pas mal, hein? Ensuite, là, il est supposé tenir, donc. Les bébés. Est-ce qu'on va refermer les doigts? Ouais, écoutez, on va faire pareil, hein. Ce serait bête de pas faire les mêmes détails. Je sais pas si on va aller plus vite. On va faire comme ça. Voilà, juste cacher les parties qui ne m'intéressaient pas. Et je pense que je vais encore faire pareil. Au moins avec cette partie-là. Pardon, c'est l'inverse que je voulais faire. Voilà. Ah, mais je suis trop caché. Cacher comme ça alors. Et ça. Ah, mais il a pas été jusqu'au bout. Ça a servi à rien ce que j'ai fait. Je pensais qu'il ferait la découpe là aussi, mais bon. C'est qu'il l'a pas. Pas pris en compte. Voilà, c'est loin par contre. Ça va pas. Je vais diviser ici. Je vais plutôt mettre ça là. Et là, je repars rien en fait. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Voici une invitation à savourer votre musique comme jamais, grâce à Premium. Toute votre musique, sans J'ai une pub pour publicité. Vous aimez Premium. jouer le DJ ou vous préférez rester dans votre bulle? Avec la playlist Focus, Premium vous offre une écoute sans interruption. Ah voilà! Si vous tentez par la Il musique parle de santé, Premium, c'est peut-être ça qu'il me faut. Premium. Je vais voir combien ça coûte. Abonnez-vous et profitez d'un mois gratuit. Excellente question. Je pense que je prends un peu trop mon temps, mais bon. Voilà, j'ai vraiment pas envie de forcer là. J'ai envie de faire ça à mon rythme. Mais oui, j'aurais fini un jour, ça c'est sûr. Faudra juste voir quand. Alors, c'est pas top à cause de la transformation qui est là. En vrai, ça doit être plus loin pour dire de laisser plus de.
essayer comme ça. Ah oui, y a peut-être moyen. Ouais, laisser un petit peu plus de place aux doigts. Et le mettre un peu moins long. Et je pense qu'on peut arrêter pour cette main. Ouais, ça va. Et encore, attendez, parce qu'on n'est pas supposé voir, quand j'y pense, les mains écartées, donc les doigts écartés, donc on peut carrément même essayer de coller au maximum. Pas abusé non plus. Ouais, on va dire ça va comme ça. Ok. Alors les bébés, tout ça, ça sera plus tard. Hein. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Comment j'avais fait ça? Ok, ça va. Le dessous est rond, un peu comme ça. Donc, ok. Cette partie-là, tout ça, ça avait été fait. Ok, la bouche. Alors, je vais faire un deuxième backup. J'en avais fait un à l'époque, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, pardon. Backup 2. Voilà. Puis la caméra. Pas depuis l'axe. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a devant moi, là? Ok. La bouche devrait se trouver là. Comment je vais faire ça? Je pourrais déplacer ce trait. Ok. C'est le premier point visible, ça. Ouais. Donc, il faudrait le placer là. Comment est la déformation? Ouais, mais je l'avais fait. L'axe, c'est embêtant ça. Je vais le déplacer uniquement lui. Parce que les autres suivent l'axe que j'imagine comme étant sa déformation quand elle se tourne comme ça. J'ai pas tout déplacé, ce serait bête. Alors, effectivement, ça change un peu tout comme ça. Ok, c'est un compromis. Un nombril, sa bouche. On va partir là-dessus. Voilà. Plutôt ovoïde que circulaire. Ouh là là, c'est trop. Beaucoup, 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 beaucoup trop. Petit renfoncement. Et il se passe quoi là? Attendez, attendez, attendez. Pourquoi on est sur le côté d'un coup? Ah oui, oh. Hein? Faut vraiment pas que j'oublie. Ah, caméra. Fait un peu déstabilisant comme ça, je trouve. Ouais. Essayer de lisser le tout. Ok, on va corriger maintenant.
Ouais. On pourrait partir comme ça. Ça ferait un triangle, ça n'irait pas. On va partir comme ça. Ce qui résoudrait la ligne là aussi. Là, ça me dérange pas parce qu'en soi, il me faudrait une découpe. On va voir ce que ça donne. Là, ça me dérange par contre en dessous parce que j'ai pas besoin de découpe cet endroit-là. Et que ça va avoir tendance à casser un peu le. Oui. Casser un petit peu là le côté lissé. On peut rectifier, hein, mais. Ok, on va garder comme ça. Disons que c'est ok. Pour le bas, comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de déplacer celle-ci? Non, ça va être trop juste. Quoique, je peux essayer. Hein. Disons qu'on va les merge. Je la déplace, ce qui va atténuer un peu plus le bas. Ok. Acceptable. Voilà. Ok, là ça me va. On va juste l'éloigner un peu. Oh, j'aime pas du tout les gars, ça fait très peur. Quoique ça a l'air quand même correct, hein. Ok, une chouille trop grand, une chouille trop grand, vraiment, un rien du tout. Ouais, c'est bon, voilà. Pas besoin de chipoter midi à 14h, là il est bon. Ok. Tenter un petit peu de déstresser tout ça manuellement. C'est fort tendu là. Ok, c'est bon. Donc on a l'orifice qui sert de bouche. Très bien. Alors les yeux, excusez-moi. Les yeux, qu'est-ce que je vais faire pour les yeux? Je vais pas faire de trou, enfin ça. Ça a l'air troué quand même, hein. Quand je vois l'image, ouais, comment on l'interprète? On dirait que c'est troué, que dedans il y a les trucs, les yeux. Ou alors, non, je vais l'interpréter autrement. On va faire ressortir les yeux. On est sur du cartoon, donc en soi, c'est pas impossible. Je vais faire ressortir les yeux et ce qu'on voit là, ça va être le reflet en fait des yeux qui ressortent. Et ça, c'est juste du mascara, quoi, non? C'est pas un renfoncement, c'est peut-être juste du maquillage. Donc on va partir là-dessus. Ce sera non seulement plus simple et sans doute plus joli. Ok, donc on va partir simplement d'un cercle. Qui sera divisé en 16. Non, dans le bon axe, s'il te plaît, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, merci. Alors, il est un peu ovoïde, voilà. Impec, je pense que là, on a la forme de l'œil. Ok. Ça.
c'est identique quasiment à celui-ci. Hein. Comment est-ce qu'on va faire ça? Commencer par ça. Tu partir d'un d'un carré, le subdiviser pour éviter de faire cette étape. On va déjà régler les problèmes là. Ok. Ça, c'est fait. Je vais sortir le tout. Peut-être sans ça en fait. Voilà, on va s'en servir comme ça. Si on peut derrière ajouter un peu d'épaisseur qui rentrera dans le modèle. On smooth. On s'en sort pas mal, ça va, on s'en sort pas mal. Ok, voilà notre travail. On pourrait texturer hein, comme un vrai œil et mettre un petit peu de relief. Mais je pense pas, hein. Je pense qu'on va vraiment garder ça simple. Ouais, ça va être dans la texture, on fera ça. C'est bien comme ça. Je vais vous laisser les pubs hein, les gars, hein, donc excusez-moi pour les pubs. Quoique, tant que j'y pense, vu que je fais des rediffusions sur YouTube, je préfère les couper, on sait jamais. Ah, c'est quoi, on pourrait dire que je fais du placement de produit alors que c'est pas du tout mon intention. Ne vous inquiétez pas les copains, je trouve une solution. Oh, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, le tout maintenant, c'est de projeter ça. Parce que bon, sur un dessin en 2D, c'est une chose, mais. Sur un élément 3D, on va tenter quelque chose. On va tenter. Shrink wrap. Voilà. Oui, bien sûr, ça les écrase totalement. Hein. Ça m'intéresse pas. Non, ça les écrase. Ça ne les garde pas tel quel. Ce n'est pas grave. On va faire ça manuellement. On commence par déjà faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intersection. Comme d'habitude, ce genre de choses, ça va tout déplacer ce qu'on a fait. Ce n'est évidemment pas grave parce qu'on va de toute façon replacer après, même maintenant en fait. Donc voilà. L'idée maintenant, c'est de corriger en fonction de sa position. Voilà, peut-être un petit peu. Voilà, un bon compromis, c'est bien ça. En tant que je fais ça, j'essaie de réfléchir à la partie texture. Est-ce qu'il y a une façon de faire le matériau qui est en mon sens assez intéressante. Comment la concept artiste a imaginé un peu le les couleurs, la façon dont c'est bien. Voilà, vous voyez déjà un petit exemple ici. Donc il y a des reflets assez réalistes, pas mal de dégradés et tout, mais avec un brush particulier. On va pas limiter, on va voir comment on l'interprète.
Ouais, bon, pour l'instant, ça fait peur. Hein. Oh mon Dieu. On va le mettre à côté parce que j'ai besoin de vérifier un truc. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça a l'air trop petit. Faut pas hésiter. Maintenant qu'on a la bonne taille, enfin la bonne position. On tweak. Oh, c'est bien, j'aime bien, c'est tout mignon. Bon, ça va pas accentuer l'intérieur de la bouche quand même. Ouais, c'est bien. Ça prend forme, je trouve ça trop drôle. Alors là, on a une cassure. On va essayer de corriger ça. Ok. C'est bien. On va remettre à sa place. On vérifie. C'est un peu éloigné ici, mais franchement, c'est rien. Et là, voilà. Superbe. Bon, bah, tant qu'on est là, les sourcils peut-être. Comment est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y en a des petits ici. On va vraiment les faire. Partir d'une plane. Pas ce que je voulais faire, désolé. Ah ouais, lui passe dedans par contre. Visionner cela. Okay.
Hey, c'est bien. Ça a pas trop bougé. Ça. 1, 2, 3. Ah, on va reprendre les trois là. Et on va rester, je sauvegarde, dans la même composition. Dans le même objet, hein. Voilà. On inverse. Ouais, c'est kiff kiff. J'ai encore grignoté, ça va aller. Ça, je m'y attendais, du coup, déjà pas trop mal mis. Voilà, impeccable. Ok, ça c'est bon. Il n'y aura qu'à juste à donner de l'épaisseur maintenant. Donc, on cache tout. On donne de l'épaisseur dans ce sens-là. Je vérifie un truc. Voilà. Pas besoin d'intérieur. C'est drôle. Tout petit peu plus épais. Ok. Bon, on est bon. Hein. La question que je me pose là par contre, c'est est-ce que les sourcils qui sont là... va les faire en texture, mais on va les rajouter tant qu'on y est. Même composition que ça. Ouais, on va faire pareil. Oui, par contre, beaucoup de détails, là, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais bon, on suppose que c'est un peu comme le reste. Je vais en diviser en deux, en trois morceaux, faire pareil. Tac, tac. Non, 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 on va faire mieux que ça. Voilà. Ça.
De là, ça devient un peu répétitif, hein, parce que ce que j'ai fait pour les cils, c'est la même chose pour les sourcils. Ouais. On se casse pas la tête, on le reprend comme ceci. On le replace juste. Ouais, pas mal. Tu peux bouger, hein. Je m'attendais. Bien, ok. Ah, ses cheveux. Là. Tu peux plus corser. Hein. Pour ça, on va partir du top de sa tête, hein, du haut de sa tête. On va le copier, on le met ailleurs. On cache tout, bien évidemment, sauf ça. Et on reprend. Ok. Au-dessus. Ok, on va prendre tout en fait, on va le mettre là. Tourner un peu. Ok, ça on va dégager. Ce qui reste. Non, mais non, si je dégage ça. J'avoue que là j'ai un peu de mal à voir. On a trouvé le milieu, il n'y a pas de milieu, super, on va dire ça. J'aime cette chanson, elle est bien. À partir de ça, on va extruder la tige. Alors ouais, il faut que ça ait l'air aussi. Cohérent. Elle tournait vers où? Elle tournait vers nous. Pas comme ça. Là. Et là, carrément ouverte. Voilà, elle est un peu chipotée. Vous donne la clé d'un monde. Oui, j'ai compris, premium, premium. Pour trouver exactement les titres qui vous inspirent et en profiter sur n'importe quel appareil grâce à l'écoute à la demande. Dans l'univers premium, la lecture aléatoire est une option. Eh, hey, j'aurais voyé un petit accent. Et profiter d'un mois gratuit. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus. Il y a un petit accent néerlandophone, je trouve, derrière. Ah bon. Mon avis. J'aimerais vraiment avoir le même. Voilà. Ouais, non, ça correspond quand même vachement bien. Oui, ça va.
Une compréhension dans sa 100%, mais pas loin, pas loin. Pour le reste, que ça a un petit peu plus de problèmes. Alors, je vais cacher ça, sélectionner ça. Voilà. Voilà. Ok, ça se complique. Ces fameuses petites feuilles là. Oh. Je vais passer en X-ray. Compliqué, 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 compliqué. Je vais partir comme ça. Ok, ça je peux faire. Même comme ça. Et de là, je vais extruder la feuille. On verra dans l'espace 3D comment ça vit. Non, pas toi, toi. Ouais, toi un petit peu plus pointu. Je pourrais terminer avec une petite coupe. Là, il faudra mettre à un côté l'appareil pour dire de d'affûter le bord. Sinon, ça me paraît bien. Et alors, ça, ça prend pas. Et en fait, il faudrait peut-être même remettre. Voilà. Ouf. Pas ouf ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Du bord, ça? Ah oui. Ok. Donc, on avisera après pour le placement. On n'aura pas fini ce soir, hein, je vous le dis. C'est ça le problème de ce modèle-là, c'est que je prends beaucoup trop mon temps. J'ai vraiment envie de faire ça bien. Comme je vous l'ai déjà dit, le cartoon, c'est pas... pas ma tasse de base. Mais bon, de temps en temps, c'est fun. Donc, ça, c'est devant. Ça, c'est devant. Ok, il faudrait que ça se rejoigne comme ça, celle-là plus loin derrière va être cachée, on verra après. Voilà, et ça, bah, ça monte. Il devrait déjà avoir de l'épaisseur.
Il devrait déjà avoir un peu d'épaisseur. On va... tricher. Je vais déjà donner la forme. C'est une pointe. Voilà. Cette partie-là. Ressort. Ah bah oui, je suis obligé de terminer comme ça, pardon. Ça me fait des triangles, c'est pas... pas ce que je veux. Voilà, c'est déjà mieux. Ça devrait aller encore même plus loin. Visionner, hein. C'est comme ça, c'est mieux. Ok, donc là on a cette partie là. Cette partie là, il faudra la couper au milieu aussi. Cette partie-là, elle m'embête cette partie-là. En vrai, on va la faire ouais, sur ces deux arêtes. Alors, attendez, la pointe. Là, ça c'est caché derrière et ça c'est... pardon, et ça, ça doit être devant. Ça va pas, ça. Voilà, mieux. 1, 2, 3, 4. Comment j'ai fait ça, moi, attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, ok, pardon. C'est juste qu'il est super... Et du coup, cela doit compenser.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ici? En soi, c'est un peu caché. Non, c'est pas caché. Ça va partir par là. On va faire comme ça et on va améliorer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà là, on a un triangle. Ça ne convient pas. Subdivisé. Voilà. On va remplir comme ça. Ça en fait 4, là ça en fait 3. Après celui-là, on peut le... comme ceci. L'arrière, on va imiter ce qu'on a fait de façon un peu plus simple. On ne sait pas voir évidemment ce qu'il y a derrière, vu qu'on ne voit pas. Pour celui-là et celui-là. Peut-être celui-là, les trois ici. Ça, ça. Ça et pas ça. Regardez. Peut-être le relever. Voilà, comme une casquette. C'est bien. C'est pas que ça allait agir comme ça, mais voilà. Ça va pas. Par contre, ici, il va falloir faire quelque chose pour cette division ici. Voilà, va falloir jouer là-dessus. On a un triangle, on n'en veut pas. Ça avance, je suis en train de faire le chapeau. Attends. Je fais que déplacer le triangle, mais attends, je te montre. Voilà. Donc on a déjà les petits éléments là, avec ça. Petit chapeau et tout. Papy. Salut, Mars Gradure le fou, et pourquoi donc Papy? Parce qu'il est tard, que je suis fatigué, qu'il faut que je m'hydrate. Ah. J'espère que ça se passe bien de ton côté. Parce que oui. En ce moment même, Mars Gradure le fou est en train de streamer de son côté. Parce que la vieillesse. D'accord, je note. Bon, mais sinon, voilà. Je trouve que j'ai bien avancé. J'ai fait plus en 7 séances que... Bon, je vais pas dire que toutes les autres séances réunies, ce serait mentir, parce que j'avais déjà bien entamé le projet. Parce que... Mais non, je te permets pas. Ouais, non, dans ma tête, je suis assez vieux, ça c'est vrai. Mais bon, après... Qu'est-ce que l'âge? Vous avez 3 heures. Alors, hop, 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 hop. Ok. Ouh, ce serait bien bizarre, hein, notre futur bébé, s'il était comme ça. Surtout que techniquement, ça, c'est une maman. Elle a ses bébés en main, là. Voilà. Ça, c'est une maman. Bref. Ça n'a pas résolu mon problème. Faut que je mette d'autres traits, et puis je vais aussi l'extruder vers l'intérieur. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas corrigé. Au contraire, j'ai fait que déplacer le triangle. Du coup, la coupe, elle est moins nette. Donc ça saute. J'ai pas besoin.
Attendez, comment j'ai interprété ça? Ouais, peut-être mieux comme ça. Non, pas sûr, ça par contre. Excusez-moi. Expérimente. Hein. Ça, ça dégage. Ça, ça va là. Non, je ne l'arrêterai pas. C'est ce que j'ai envie de faire ce soir et j'irai jusqu'au bout. En fait, on revient. Ah non, j'avais dit qu'on était revenu là où. Où on en était, mais pas tout à fait. Et du coup, on peut en profiter pour refermer ici. Fermer ça. On se trouve encore avec deux triangles ici. Et là, la coupe est pas bonne. Donc il nous faut une. Oui, comme vous voulez, on pourra bien faire ça. Hein. Je sais pas si on fera ça pendant un live ou si on le fait entre nous. Mais... Tout à fait, ça me tend très bien. Et je pourrais fusionner les deux en fait. Voilà. C'est mieux. Bon, celui-là saute pour l'instant. On verra quand tout sera fini. C'est pas déjà comme ça? Vous avez parfois je tourne en rond que je reviens. Je pense pas. Hein. Il était comme ça. Je me rappelle pas de la coupe ici. Parce que c'est un problème au niveau de la. De l'interstice ici. Oh non, moi ça me dérangerait pas non plus, mais voilà. Comme dans mes lives, je me limite souvent à mes jeux préférés. Bon, pas que ce n'est pas mon jeu préféré, bien entendu. Mais voilà, on se comprend. Là aussi, j'ai un triangle. Excusez-moi. La vieillesse, hein, comme vous dites. Je pourrais faire ça. Je vais attendre que de côté il y ait quelque chose. Ok, on avance. Donc derrière. Supposément, ces deux-là. Voilà. Par ça qui doit être peut-être comme ça. Voilà, alors. Moi il est dans l'espace 3D. Parfait. Ça, ça va être la pointe. Ça, on va le mettre là. Et toi qui es caché, tu vas aller là. Ok. Alors, que ça pointe un petit peu. Et là aussi en fait. Ouais, ok. Ok. J'arrive à plus ou moins ce que je voulais. On corrige le reste. Donc, 3, 4, 1, 2. Et on va finir là comme ça. Hop. Top. 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 Voilà. C'est dégueulasse. On trouvera la solution quand on donnera de l'épaisseur à tout ça. Moi, ça me va. Pour l'instant. Bon, le reste, on ne voit pas, donc on va vite imaginer des petites houppettes. Simpliste aussi. Je vais cacher ça.
Juste pas qu'elle se voit sur le modèle, du coup, vu que ce n'est pas affiché. Si on reprend le principe, on prend 2 et 3 par exemple ici. On le fait passer derrière, comme ceci. Tout bêtement, ces deux-là, on les prend comme ça. Et bam, hein, voilà. Voilà, est-ce que c'est visible? Non, parce qu'il y aura l'aubergine devant. Et là, on termine. Et rapidos par une autre. On la fait passer par 3 aussi, parce que ça va plus vite. Et là, on peut la faire remonter. Tant que ça rentre pas, voilà, c'est caché. Et voilà. Ça me va comme ça. Ok, maintenant on va donner de l'épaisseur. Je vérifie que tout est aligné. Rien à faire. Et voilà. Ça peut aller, hein. Ça va. Alors. Comment ça vit avec ça? Déjà, ça va pas. Ça doit être devant. Ça. Cette partie-là. Rapproche. Pareil. Ça me paraît très bien. Alors, pour donner de l'épaisseur à ça, on va tout prendre, sauf cette partie-là. Donc on va cacher ça. Prendre ça. On va l'extruder, pardon, vers l'intérieur. Oh, ça marche pas des masses, hein. On va pas l'extruder. On va la prendre. Voilà, manuellement. Grosso merdo, ça passe. Vous savez quoi? On va l'éloigner. On va bien l'éloigner. On voit un peu ce qu'on fait. Et on va relier les contours entre eux. En fonction de comment ça va être interprété lors du rassemblage, on va voir comment on va corriger tout ce bazar. Pourquoi tu ne sélectionnes pas? Ah oui. Par ici, ben oui, évidemment. Le reste, c'est bon. Okay. On fait la même chose ici, en fait. Et on va demander de relier les deux modèles aux mêmes coutures, en fait. On va voir. Si tout n'est pas bien sélectionné, de toute façon il va prévenir. Tout est bien sélectionné, ok. Alors maintenant évidemment, corriger ça. Hein. Donc on désélectionne, on resélectionne, on fait ça, on fait ça.
On réduit le tout. Oui, on désélectionne, mais on dégage ça quand même. On n'a pas besoin. Voilà. Qui regarde plus Ça loin, aussi. pense à Hyundai. Non. Terrible. Voilà. Moi, je me tape la pub pendant que je vous la mute. Bon, c'est quoi le pépin ici? Ok. Vous savez quoi? Oh là là. Oh. Non, il faut vraiment que je fasse une extrude. Non, on va. Ça m'énerve. Je pensais l'avoir, cette façon. C'était l'autre technique. Qui est le Solidify. Avant, voilà. Il y a du bon, il y a du moins bon, hein. Mais ça va. Ouais, j'aurais dû commencer par ça en fait, c'est même mieux. C'est mieux. Oh là là, il faut qu'il se calme hein, le Loïc. Hein. Attendez, il se passe quoi là? Ça a bougé? Oh mince! Il était. Ouais, ok, c'est parce que. Ouais. En remettant en place le truc. Tout a bougé. Ça me perturbe quand même. Non, tout le reste est bon. Voilà. Corrige rapidos. Ouh, ça va peut-être comme ça. Voilà, j'ai toujours un doute ici, là. Bon. Ça ira, hein. On va pas trop faire pour ça, mais voilà, ok. Je pense qu'on va passer à l'étape suivante. Hein. Oui, super. Oh, j'adore. C'est trop mignon en vrai. Là, je passe ce genre de truc plus souvent. Ça change. J'avais dit que je ferais pas ces trucs-là, mais peut-être que je les ferai au final, j'en sais rien. Bon alors. Tout est fait alors pour le personnage. Oui. Le personnage est fait. On va passer au bébé maintenant. Donc, on va cacher ça. On va passer à la création de ces bébés. Mais avant ça, j'aimerais parler de notre sponsor. Non, je n'ai pas de sponsor. Je viens de chercher un truc à grignoter parce que j'ai un peu faim. Donc je reviens tout de suite. J'espère juste qu'il n'y aura pas une pub entre-temps. Et si une pub, bah écoutez, il y a une pub. Hein. Moi, j'y peux rien. C'est Spotify hein, qui fait des pubs. Hein. Voilà. Allez, à tout de suite. C'est. Je me trompe pas d'écran par contre, c'est lequel? C'est celui-là.
Bon, ben me revoilà. Comment ça, Adidas et Nike? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ma pause? J'étais pas devant l'écran, donc je sais pas dire. Masse gradure. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Occupe-toi de ton jeu. Je sais que tu es en train de streamer. Occupe-toi de ton jeu. Laisse-moi finir ma modélisation. Aïe, aïe, aïe. Non, mais attends, il fait du placement de produit maintenant. Alors. Qu'est-ce que j'avais dit qu'on ferait là? Parce qu'au bébé, c'est ça? Je sais plus. Ouais, ok. On passe au bébé. Alors. Tout bête, hein. Bête, ça a l'air tout bête, mais c'est pas tout bête en fait, et ça va être encore un CK7. Partir de en soi, on voit pas le haut, on voit pas le bas, donc je vais partir d'une sphère moins subdivisée quand même. Non, oh zut, partir sur du 8 et 8, 12. Oui, ouais, ça va. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est des bébés? Non, je pense pas. Ah mon dieu. J'imagine bien. Par rapport à ma future audience. Et donc oui, sinon, donc aujourd'hui, un petit mot de notre sponsor. Non, on manquerait plus que ça, dit. Profiter ici pour mettre un. Qu'est-ce que j'avais mis l'autre fois? C'était quoi? Je mettais un UV hein, pour dire d'avoir un petit espace ici au-dessus. Voilà. Un petit mot de notre sponsor Pampers. Mon dieu. C'est faux, bien évidemment. Hein. Tu peux utiliser autant de marques que tu veux. Je suis même pas sponsorisé, je vais toucher 0 cent. Alors, je sais pas ce qu'elle est supposée tenir. C'est sûrement des graines. Aïe aïe aïe, ça se complique par contre. Parce que maintenant il faut que. Que la graine. Soit dans les bras. Et tout ça, je dois reculer à peu près tout. Tout ça. Oh non, ça va, c'est pas trop grave. Voilà. Attendez, hein, on va quand même faire ça proprement. Et donc, qu'est-ce que je dois bouger, moi? Oh, pour muscler. Ok. Bouger toute la main. Je crois que ça va être obligé. Alvaro Soler and my new song A Contracorriente is out now here on Spotify. Check it out. Okay, pourquoi pas, voilà. Une pub de chanson, ça me dérange pas. Il m'a dit, attendez, on a changé ma compile. C'est très étrange ce que tu dis, mais oui, c'est un peu l'idée. Ah, c'est pas encore assez. Mm-hmm.
Ouais, il faut vraiment que je bouge le tout. Allez, on va y arriver. Et du coup, on va rendre ça un petit peu moins effrayant. Voilà. Belle petite courbe. Voilà. Ah, ça se rapproche encore plus de la référence. Voilà. Ouais, moi ça me va en vrai. Super. Ça c'est le premier. On va en faire un, on va le dupliquer. Ah, ça va être embêtant par contre le dessus. On va prendre le haut. Voilà. Voilà. Et oh. Aïe aïe. Voilà. Tourner dans l'autre sens. Alors ouais, par contre, je sais pas voir si c'est dans l'autre sens. Ok, c'était bien dans l'autre sens. Et encore une apparition sauvage, mais t'as pas fini? Oui, elle est mignonne. Regarde ça. Ah. Comment ça? Franchement, on dirait des œufs. On dirait un Pokémon. Ouais, mais non, c'est pas. On dirait un Pokémon là, mais c'est pas comme ça. C'est comme ça, non, tu vois. Ah là là. On va faire plus en plus d'apparitions surprises, j'ai l'impression. Étant fait. Moi, je crois que je suis un peu maniaque avec ça. Ça change pas de mon habitude. Nayo, voilà. Maintenant, on passe aux choses un petit peu plus sérieuses. Comme ça. Coupure. Ouais. Ah mais il sort pas celui-là. Tout comme une mèche de cheveux. Celui-là il ressort. On va le faire sur 3. Voilà comme on a fait les autres. De sa maman. Ça, on réduit ici, on réduit comme ça. Ouais, j'ai zappé un truc. Oh, ok. Oui, j'ai clairement zappé un petit truc là.
R3 ici aussi. Attendez, je me rappelle. Ouais. Ça... Ah tiens, il a l'air coupé celui-là. Bon, on va faire épais comme ça aussi, là. Chop. Il a l'air coupé quand même. Faudrait moins le faire comme ça, voilà. Pareil par là. Ça. Voilà. Superbe. Et le reste, interprétation. Vous le savez. On en prend 3, ça en restera 2, ce qui est pas mal. Est-ce que vous êtes visible? Ça devrait pas poser problème. On va les faire simplement. Hop. Comme ça, avec un. Pourquoi pas. Vérifier avec la main. Ok. De toute façon, on devra recorriger quand il y aura l'épaisseur. Attendez. Ah oui, ok. Ça va toucher aussi. Il va falloir régler ça. Ça me paraît bien. Et là, on termine comme ça. Comme ça. C'est visible. C'est pas visible. Voilà. Bon, tout ce qui n'est pas visible, j'aime bien le. C'est de pas trop en mettre. Ça corresponde à. Qu'il y ait au moins un angle de caméra qui corresponde à la référence. Bien. Je ne pense pas que je vais mettre des détails au niveau des yeux. Oh, quoique. En soi, c'est qu'une petite. Ou alors, on le fait en texture. Oui, on va le faire en texture. Ils sont moins détaillés. Donc, ça pour moi, c'est bon. Donc, attendez, on avait mis un Solidify Subdivision. Alors, déjà, voilà. Solidify. Avant. Pas de soucis, pas de soucis. C'est bien gentil en tout cas d'être passé. On va jouer avec l'offset. Voilà. Oh ouais, j'aime bien. C'est vraiment drôle. Là, je suis moins convaincu. Passer ça vers l'avant. Une bonne nuit à toi, une bonne soirée. Voilà. Corrige. Voilà, moi ça me convient. Et ça fait bientôt fini les cœurs là. Du spam, hein. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est caché, je devrais dégager. Bon, c'est pas grave, écoutez. On verra si c'est vraiment gênant, gênant. Je dégagerai les polygones qu'il faut, si pas... Ça comme ça. Voilà. Pareil. Ok. Hop, hop, hop. Ok, alors pour le deuxième, je vais prendre le premier. Ah oui, mais là, les cheveux sont peut-être pas les mêmes.
C'est embêtant. On va tenter quand même. Donc je reprends un nouveau. Voilà, je le cache. Et je mets l'autre. Quoi qu'il y a bien moyen, hein. Ah, oh, peu de choses près. Je vais le mettre dans l'autre sens. Oh, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va rectifier ça. Pidos. Ah, pour le coup, on va pas être tout à fait comme la ref. Voilà, ça va plutôt comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. On va totalement l'inverser, ça il faut totalement l'aplanir. Voilà, je suis mon instinct là et après on verra si j'ai fait de la merde ou pas. De grandes chances. Après on peut avoir une bonne surprise. Hein. Oh, écoutez, c'est pas si mal. Ok. Ouais, ils mettent pas le sens. Je suppose que c'est là. Que c'est dans ce sens-là. Ce serait plus joli. Ok, moi ça me va. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? C'est un peu embrouillé comme ça, mais bon, on va relisser. Et la houppette là, il faut la changer de sens. Comment est-ce qu'on va faire ça? Voilà, refaire, je pense. Moi, m'embêter avec ça. Tac. Voilà. Qui regarde plus loin, pense à Hyundai. Non. Ah, j'en peux plus. Ça, on est d'accord. Hein. Ouais, quand elle est lancée dans un truc, elle est dedans. Attends. Ok. Attendez, elle a plus fini. Et voilà, la pub est finie. Ah, j'ai l'impression d'avoir un petit bouton censure sur mon clavier, mon pad là, et l'activer à chaque fois qu'il me pub. Non, je peux pas mettre ça. C'est pas nécessaire au final. Impec. On réaffiche le reste. Oui, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aïe, 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 le caca, il est bien mis, mais il doit être vraiment, vraiment, vraiment en dehors du personnage. Du coup, ça a pas de sens, en fait. Attendez, on va devoir revoir un peu les proportions, parce que il y a un truc qui va pas. En vrai,
ils sont supposés être collés. De ce point de vue, on voit. On a cette impression, c'est voilà, mais en fait non, pas du tout, ils sont séparés. Alors lequel est plus proche de l'autre? Moi j'ai tendance à dire que c'est la main du fond qu'il faudrait ramasser. Et quand on le voit de haut, ouais, je pense que ce serait ça à faire. Bon, sinon à part ça, il faut aussi corriger ça. Corriger un peu comme ça, ça pourrait aller. L'œuf, le rétrécir un peu. Tricher, on va le faire rentrer dans sa coiffe. Et la coiffe, on va aussi là. Est-ce qu'il est le truc? Eh oh, voilà. C'était quoi ce bruit? Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Ah oui, non. D'après ce que je vois quand même là, comment elle le tient. Quand même devant. Enfin, la main là, elle va être devant. Lui, il est derrière. Enfin, lui, il est devant, alors que c'est la main qui devrait être un peu comme ça en fait. Mais du coup, il est caché. Oh, comment on va interpréter ça? Ouais, il faudra remonter la main. Avancer un peu la main aussi. Bon, disons que ça, on est content des proportions. Je le mets comme ça. Effectivement, il y a quelque chose, mais c'est pas non plus. En plus, on est. Ah, merde. Pas supposé voir que ça là. On doit voir l'œuf aussi. Plus tourner par là, grandir, rentrer dedans. Ah, ce qu'il faut au moins respecter les proportions à ce niveau-là, hein, parce que. On corrigera après la coiffe, on va faire part un peu en arrière. Donc. Voilà, il nous faut au moins un peu de matière ici parce que ça ressort, c'est blanc. Quand il sera refait, il faut garder au moins cette idée-là de ça. Et bah ça, on va le. Je vais le monter comme ça. Le reste, on va aplanir. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Manque, ouais. Ouf. Il y a toute une partie qui est cachée. En revenant là, recache. C'est embêtant. Pas aussi facile que ce que je croyais malheureusement. Ça va. Ok, ça nous laisse du blanc. Du coup on a juste plus la houppette là dans le bon sens. Ça c'est emmerdant par contre. En réalité on devrait le voir. Ouais bon, dur. On verra plus tard.
Dans d'autres détails. Suffisamment, écoutez. Oui. Ça ressemble suffisamment. Ok. Donc disons que ça c'est bon. Il n'y a plus qu'à corriger le reste. Pour donner l'illusion que ça. Que ça m'a. Pas donner l'illusion, faut vraiment le faire en fait. On va vraiment falloir que je le bouge. Après cette petite modification. Je copie tout dans un nouveau backup. Voilà, ça c'est fait. Et là j'interviens maintenant au niveau de la main. Donc ça je cache. J'ai dit je cache, merci. Ça je prends. Je mets devant. Attendez, comment est-ce qu'elle le prend? Mais ça n'a pas de sens pour le pouce. Ou alors il doit être relevé. Oui, comment je vais faire ça? Ouais, ça je pouvais malheureusement pas le savoir avant d'avoir placé le petit bébé. Ok, ça va. Je pouvais pas le savoir avant d'avoir placé le petit bébé parce que... Comment dire? En fonction du point de vue, et surtout bon, c'est un concept. Le dessin ne prend pas en compte peut-être certaines choses. Bon, disons que la main comme ça c'est correct. Donc avec ceci, on va commencer à bouger. Il faudrait être un peu plus bas. Oh oui, ça me va moi. Ça me va. Alors, juste un tout petit peu là, comme ça. Ouais. Ça va. Voir. Ça remonte. Faire ressortir aussi ça. Ça repasse devant. Oui, ça va. Oui, c'est plus qu'acceptable. Ok, alors qu'est-ce que j'ai foutu là par contre? Non, ça va pas. On va dire que oui, hein, écoutez. Bon, ça, vous verrez peut-être entre guillemets pas la fin. Bon, c'est juste une pause entre nous, ça. C'est juste pour moi avancer et en même temps pouvoir vous présenter deux, trois petites choses. Voilà. Ouais. Bon, niveau point de vue c'est bon, mais après niveau remplissage c'est pas, ça ne va toujours pas. Le c'est quoi la graine ne prend pas encore assez de place, donc on va voilà l'étendre pour que ça corresponde un peu plus à la main. Ça en chipote pas. Je verrai ce que je vais faire pour les interconnexions ici. C'est pas grave, je pourrais même les laisser. Les doigts sont un peu différents.
Très bien. Voilà, ceci. Je pense même qu'en fait c'était deux feuilles en fait, mais bon. Qui va le voir. Ok, ceci étant dit, ceci étant fait, on va laisser ça comme ça. On va passer maintenant à celui-ci, qui doit être plus proche. On va partir du principe qu'il est bien. Voilà, c'est ça le truc, il doit être devant, là il est derrière. On va le rapprocher. Pour ça, on va, voilà, juste le bouger comme ça. C'est pas encore ça en vrai. C'est pas encore ça, hein. Bon, on va chipoter aux proportions, on y est quasiment. On va dire que là c'est bon, du coup ça c'est presque comme ça dedans pour laisser le contact. Ouais. C'est un compromis correct. Et du coup c'est là que ça va vraiment être embêtant, c'est que du coup toute la main, tout le bras et la main doivent bouger, mais à cause de ça, je dois dégager carrément ça. Avec Spotify Premium, oh, ça va, ça je vais essayer. Je dois juste enlever ça. Et pour ignorer tout le reste, je vais couper ça aussi. Si un titre ne vous inspire pas, il suffit d'appuyer sur suivant. Écoutez à la demande et contrôlez l'ordre des titres, même sur mobile. Passez à Premium, voilà. Et obtenez un mois gratuit. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus. Voilà. Vu que je l'ai fait avancer vers nous, ça ne change rien en termes de placement. Mais là, on correspond bien mieux à l'idée de... Voilà, je tiens mes deux petits bébés, voilà. Donc, c'est sauvé. Quasiment, en fait. Il me reste encore ça à corriger. Donc, ça... Centre. Un, deux, trois. Bouger, hein. Oh, yeah. Voilà, ça ne change rien. C'était de toute façon caché de base. C'est très bien comme ça. Non. Mais... Aïe aïe aïe. Je fais du caca. Pourquoi tu veux pas te couper toi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, tu m'emmerdes entre guillemets. Bah, tu prends ça. Tu ne m'emmerdes plus. Voilà, ça c'est bien. Non, j'ai peut-être un peu abusé là. Ok. Ça correspond. Moi, c'est good. Ok. Si je le replace pour avoir une idée, voilà, on avait un peu baissé ça, on peut même le relever maintenant. Ça ne change rien. Bah écoutez, j'aime. En tout cas, il n'y a plus rien à faire hein, pour cela. Encore le petit truc au sol, mais je me demande vraiment si je vais les faire. D'accord.
Je sais pas. En vrai, je sais pas, les gars. Voilà. En vrai, il y avait que l'aubergine, que la maman. Aubergine qui m'intéressait. Autre chose. Je sais pas trop ce que c'est. Ça m'intéresse pas trop de les faire. Non, je pense pas que je vais les faire. Je vais vraiment focaliser sur la maman aubergine avec ses deux bébés. Et ces trucs-là, bah, on verra plus tard si je les rajoute, mais pour aujourd'hui, non. Je vais focaliser sur ce que j'ai fait là. Donc, maintenant que c'est terminé, je fais un backup final. Qui sera bien évidemment pas le final, parce qu'entre-temps, j'essaie vraiment de travailler dessus encore. Et commencer à faire le nettoyage. Donc ça, il m'a fait exactement comme je le voulais, à l'exception qu'il y a des intersections. On va voir, on va réparer ça. Allez, on va en avoir ailleurs. C'est plutôt comme ça que je voulais faire. Ouais. Ok, alors. On va le peindre à un moment donné ou à un autre. Donc je vais quand même préparer l'UV correctement. Morgue sim. Coupure là. Ah ah ah. Pas bien vu. Regarde un petit peu mieux. Ah, ça change tout. Hein. Ok. Comment est-ce que je peux faire ça? Par en dessous. Ou au centre. Je pourrais le faire au centre. Et ça solidifie après, alors que moi j'aime bien le petit arrondi comme ça. On va le faire comme ça. On sélectionne les deux. Non, j'ai rien dit. Ouais. On va sélectionner ça. Parce que c'est pour ce qu'on va. Ça. Ça. Non, tant pis, écoutez. Tant pis si ça fait un peu plus. Voilà, ça me permet d'aller plus vite. Maxime. Ça, c'est bon. Je sais qu'il y a l'intérieur. What? Ok, c'est passé quoi là? Et tu dégages. Je vais supprimer tout l'intérieur de ce bazar là. En fait, il sert à rien. Toc. Voilà. Donc à faire. Et on referme. Ça. Merge center. Merge center. Yeah. Okay. Pour ce truc là, c'est pas propre non plus. Ça a l'air plutôt propre quand c'est subdivisé, mais ça ne l'est pas en mode low poly. Hop. Alors, je ne sais pas si c'est fermé ou pas. Dans le doute, on va le fermer quand même. Il y a un triangle, voilà. Tant pis.
est tout petit. Donc là, je vais faire une sim ici. Boum. On va garder en un seul morceau, c'est pas dérangeant. Dans une zone qu'on voit pas. The front, on va faire comme ça. Sim. Le reste, c'est bon. Donc, on prend. Donc, on a le wrap. Ouais, j'ai peut-être quand même. Fly. Skill avant, on sait jamais. Ça ne change rien. Impeccable. Écoutez, c'est qu'on a bien fait nos devoirs. On pack. C'est bien. Voilà, premier UV. Check. Ça, c'est bon. Les yeux, on peut les fusionner avec ça. Hein. C'est rien du tout. Alors, ça et ça, il n'y a pas de face arrière, donc on peut les unwrap direct. Ceux-là, tout à fait pareil. Faut les mettre à la bonne taille, par contre, après. Ceux-là, il y a un arrière. Comment est-ce qu'on va les faire ceux-là? Si je fais une wrap, on va avoir ouais, un artefact. On va mettre une sim. Tac. 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 Non, pas tac. C'est mieux. Là, je l'ai fait double celui-là. Ça va m'emmerder plus qu'autre chose. On va déjà marquer celle-ci. Alors, toi, comment je vais t'interpréter? En vrai, je te prends au milieu. Qu'est-ce que ça va donner? Unwrap. Imaginez un monde ça où va. Le zapping serait illimité et la musique sans interruption. Avec Premium, c'est possible. Passez plus de temps à écouter la musique que vous aimez et zappez tous les titres. Non, pas validé. Pack. Téléchargez les playlists et utilisez le mode hors connexion. Écoutez votre musique partout. Voilà. La premium et obtenez un mois gratuit. Deuxième UV. Terminé. On va déjà en profiter pour mettre les matériaux. Donc on va appeler ça, je sais pas moi, cheveux. Cheveux. Simplement, là on met visage. Ça, l'aubergine en elle-même. Alors, l'aubergine. Faudrait séparer les bras. C'est pas l'idéal, hein, parce qu'on va. On risque d'avoir une coupe. Mais je vais faire en sorte qu'on ne la voit pas. Voilà, donc si on a l'aubergine. Bon là il y a le cou, c'est pas grave, ça va un peu rétrécir, mais c'est pas grave. Il nous faut juste de quoi le découper. Alors comment je vais le découper? Je réfléchis. Le plus important c'est ce qu'on voit à l'avant. Donc je vais le découper à l'arrière. Là par exemple. Oui, comme ça. Comme ça. Ok, donc si maintenant j'unwrap, on a une drôle de forme mais qui est pas mal aplatie quand même. Ça c'est bon. Pour la main, c'est une autre paire de manches. Si je peux me permettre, parce que là, comment je vais faire? Si là je ne rap, on va avoir un artefact, c'est un problème parce qu'il n'arrive pas à mapper, il n'arrive pas à trouver les bonnes coordonnées. C'est logique, parce que la forme est fermée. On va l'ouvrir. Peut-être comme ça, on va voir. Si on l'ouvre comme ça, est-ce qu'il sait. Pardon. Ouais, c'est pas ouf, à cause des doigts.
Il arrive à l'ouvrir, mais n'arrive pas à... à libérer les doigts. Je fais mon compte ici. Comme ça, comme ça. Attendez, hein. C'est vers l'intérieur. C'est comme ça. Toi par là. Toi par là. Toi par là. On va pas les séparer entièrement. Bizarre. Ah si, je pense. Excusez-moi. Moi, je pense que je vais pas tarder ce soir. Hein. Pas... Je suis pas super frais. Toujours le même problème, il faudrait vraiment que c'est pas... Ok, je crois qu'on... Je crois avoir... moi. Il faudrait que je sépare la main. Donc si je fais... J'imagine, hein, il y a le plus comme ça, blablabla. Mais en fait, il faut prendre toute cette partie-là. Comme ça, déjà l'ouvrir. On a la partie en dessous, on a la partie au-dessus. Déjà comme ça, ça devrait techniquement... l'ouvrir. Donc là, c'est ouvert des deux côtés. Maintenant, il faut séparer les autres doigts, donc... Continue comme ça. Oh, que c'est embêtant. Je suis sûr qu'il y a une méthode UV beaucoup plus efficace. Mais je crois que dans notre... On va supprimer celui-là. Dans notre exemple, c'est pas... Pardon. Dans notre... Voilà, ça va pas être trop... ça va pas être trop grave. Donc là, on a tout, sauf là. Et c'est le pouce, si je m'abuse. Oui, voilà. Et là, le pouce, comment est-ce qu'on va le faire, lui? On aurait dû le prendre avec. Donc, on a toute cette partie-là, la partie supérieure de la main. On va peut-être le séparer de là, alors. Hein. Maxim. Unwrap. Mais il est toujours dedans. Donc, il faut le... le séparer d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais si je fais comme ça, ça va pas aller. Non, il se rend dedans quand même. Ah, c'est un casse-tête. Enfin, dès que j'ai fait une main, l'autre, ça devrait aller parce que les doigts sont pas pareils, mais. On va reparer ici alors. Ça va, mais là il y a toujours une intersection. Pourquoi? Où est-ce qu'elle est? On corrigera ça après. Ok. Disons qu'au moins on a la main. On a la main, on a le reste. Il reste plus que celle-là. Donc, la même chose. Juste avant d'arriver là, on va la séparer. Et on va l'ouvrir là en dessous. Ça, ça va être le bras. Ensuite, la main. On va faire vers l'intérieur cette fois-ci. Et là, on peut tous les prendre parce qu'ils sont tous au même niveau. Après, jusqu'au bout. Non. Il y a un doigt, on va le
raconter dedans. Comme ça. Et ça, ça dégage. Ouais, ça fait un peu. Il y a encore les intersections. Oh. Le maillage, enfin le mesh rentre un peu dedans, j'ai dû grossir à certains endroits et donc ça le fait. On va corriger de toute façon, donc on refait un wrap, on pack, on vérifie d'où ça vient, d'où, comment ça, mais je l'ai fait la main ici, non? Attendez, il y a peut-être juste ça en fait. Ouais. Ouais, c'est mieux. Okay. Maintenant tout est fait, on pack. Voilà. Alors ici c'est quasi bon. Évidemment. Okay. Et on repack. Oh, c'est papa qui est mieux, donc c'est que il considère que c'est le la passion optimale de le mettre. Hein. Okay. Donc ça, c'est le corps. Comme maman. On va pas l'appeler maman pour l'instant. Là c'est le corps, les cheveux, le visage, les yeux plutôt. La culotte. Elle est ouverte entièrement. Elle est entièrement ouverte. Donc je pourrais l'exporter. Je vais déjà regarder comme ça. Si je fais comme ça, ça marche. Mais alors au centre, c'est trop petit. Donc il faudrait la couper à un endroit. Éventuellement au centre. Déjà rien qu'en la coupant en deux. Ça améliore le tout. On va faire ça. Et on pack. On regardera pour les coutures, les cimes. Les deux pieds, je vais les fusionner. Alors, dessous. Pas besoin. Ça c'est bon. Je peux même relier comme ça. C'est caché de toute façon donc. Là, ça devrait aller. Voilà. Ouais. Voilà. Je préviens juste ma compagne que il est temps de mettre les perruches au dodo. Voilà. Ah,
c'était pas compté dedans ça. Oh non, 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 il faut les compter dedans. Évidemment. Évidemment, je ne les avais pas vus. On va essayer de gagner de la place. Ça en cache. Alors, comment ils ont été construits? Ok, ok, ok. Bon, on va cacher ça. On va cacher ça. Une coupure ici derrière, une coupure ici derrière. Ok, lui il est ouvert donc. Une coupure là, une coupure là, une coupure là. Hop, hop, hop. Petit bout de la boucle là. On reprend tout, on unwrap. C'est bien. Ok. Ok, donc ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Pas besoin du sol. Ça, ce sont les jambes. Ouais. Ouais, non, je vais faire deux séparés. Stack. Solidify, apply. Ça, on va le garder. Comment ça donne? Ouais, je vois déjà des petites embrouilles ici. Voilà. Pareil que l'autre. Pas besoin de l'intérieur. Lui, on va tricher, on va pas le fermer. On va le laisser comme ça. Et là, par contre, lui, on va le fermer. Hop. Hop. Même chose. Ça, ce sera notre sim. Là, pareil. Tac, 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 tac. Comme ça, c'est notre sim. Une main. Et là, la dernière sim. Voilà. Non, pas le smart. Intersection. Non, c'est pas bien. Voici une invitation à savourer votre musique comme jamais, grâce à Premium. Toute votre musique, sans publicité. Vous aimez jouer le DJ ou vous préférez rester dans votre bulle avec la playlist Focus? Lui est déjà fait. Vous offre une écoute sans interruption. Laissez-vous tenter par la musique sans pub avec Spotify Premium. Donc cheveux, et profitez de bébé. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus. Même manipulation, on vérifie vu que lui est un peu différent. What? Ah ouais, ok, quand même. On corrige vite fait. Est-ce qu'il va être corrigé sur celui-ci aussi? Ok.
Ouais, il est dégueulasse celui-là. On va pas le terminer en fait. Maintenant que j'y pense, pour l'autre, j'étais pas obligé. Parce qu'on ne le voit pas en dessous. Bon, on va le laisser comme ça. Les choses, on n'y pense pas forcément. Ah oui, ouais. Toi, tu dégages. Hop, hop. Pareil, hop. Et c'est une sim. Ok, super. Déjà fait. Ben voilà. Je vais pas passer au texturage aujourd'hui, les gars. Je suis assez fatigué. Clairement. Mais. C'est pas mal. On a tout, hein. Donc on a les deux bébés. Oui, pardon. Donc. Cheveux bébés. Jambes, pantalons, le corps, les yeux, les cheveux. Voilà tout ce qu'il faut. Non, voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Si ça vous intéresse, pourquoi pas le continuer. Pendant mes lives, pourquoi pas. Je suis pas pressé, hein. Bon, ça fait des mois qu'il est sur ma liste d'attente, du coup. S'il faut le reprendre sur... Ça, je vais le dégager, c'est meilleur. Et ça, je vais le cacher aussi. Voilà, dégage, voilà. Voilà, impeccable. S'il faut continuer pendant mes lives, je le ferai. Je pense que la semaine prochaine, je reprends de toute façon les challenges. Donc avec la liste des idées qu'on m'a fournies. En théorie, je sais pas, je le finis. Hein, ça peut être aussi amusant hein, de passer son petit temps à le faire une petite pause challenge. Mais on verra. Ce sera soit des challenges, donc soit je continue les challenges, soit je continue. Et je termine ce projet. Donc voilà. Sur ce, les amis. Un petit peu plus court que d'habitude, mais là on a bien avancé, c'était chill. Et je pense qu'on peut arrêter pour ce soir. Je vous avoue que je suis un peu crevé et que aller plus loin, c'est pas me rendre service, je sais pas. Pour ce soir, ça va être compliqué. Donc voilà, écoutez, on vous donne rendez-vous mercredi soir, pour un Elite sans doute. J'hésite encore, soit de l'exploration, soit continuation des missions Odyssée ou mission de. Comment est-ce que je vais dire, mission de transport. Mais j'ai vraiment envie de faire de l'explo, je vous avoue. Donc, essayer de target un système assez lointain que j'ai pas encore visité et aller scanner les surfaces terrestres. Ou carrément essayer le gameplay de biologiste. Je ne sais pas, j'ai pas encore testé. Donc, scanner des plantes, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Donc voilà, ça sera mercredi soir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Oui, parce qu'il va faire nuit. Et on se retrouve bientôt. Salut, ciao. Salut.